basketball. I feel devotion. Au Zénith d'Orléans, sixième journée de l'Euroleague, le début de la phase retour. Orléans accueille l'un des favoris pour cette saison avec les deux premiers points pour l'Olympiakos qui marque avec Patrick Beverly. Ouais, sur une grosse tapette, une grosse tape de Sofoklis Orsanidis qui est en 5 avec Milos Teodosic, Linas Kleiza, Panayotis Vassilopoulos et Patrick Beverly dont vous avez parlé, Nicolas. Et Orléans démarre avec Coville, Banks, Dobbins, Justin Dolman et Aldo Curti. Banks, il laisse échapper cette balle alors qu'il y avait une passe de Justin Dolman. Sur une attaque douloureuse, il y avait presque une passe décisive. Et ma foi, c'est bien dommage qu'elle ait glissé des mains de Cédric Banks. Orléans bon. Toujours à la recherche d'un premier succès. 5 défaites en 5 matchs. Et l'Olympiakos qui compte déjà 2 défaites dans cette Euroleague face à Malaga et face aux partisans de Belgrade. Donc c'est vraiment un match important pour les Grecs s'ils ne veulent pas rester en 3ème position. Une défaite dans les grandes largeurs à Malaga et surtout une surprise la semaine dernière à la salle pionnière alors que là ils attaquent à l'intérieur comme ils ont fait, on en parlait avec Philippe Hervé. Comme ils ont fait contre le Pana, ils attaquent avec la puissance de feu de Sofoklis Korsanitis. Les deux premiers points pour Bebichak et déjà 4-0 pour l'Olympiakos. Le duel entre Patrick Beverly et Cédric Banks, c'est le duel entre de la vitesse et Cédric au rebond offensif. Les deux premiers points pour l'entente orléanaise avec Cédric Banks qui récupère le rebond offensif. Teodosic avec ballon récupéré par Orléans. Dolman, Curti, la passe pour Dobin sous le cercle. Bonne réaction orléanaise. Voilà, balle perdue qui se paye directement et c'est très bien comme ça. Et Korsanitis qui a failli la perdre devant Ivan Kovil. Les Orléanais qui ont bien les bras actifs, c'est une bonne chose. Attention, Teodosic trouve l'homme libre. Beverly dans le coin, Kleiza qui pénètre, ballon récupéré par Tony Dobbins. Deuxième ballon volé de suite pour Orléans. Dobbins qui joue avec Dolman, s'approche du cercle. Et le panier qui rentre pour Justin Dolman, un joli 6-0 pour l'entente. Oui, une belle lecture de Justin Dolman à 3 points qui voit la défense arriver, qui prend l'intervalle. L'Olympiakos qui a joué, choisi de jouer petit entre guillemets avec Linas Kleiza en poste 4. Bonne agressivité sur les pick and roll. Ouais, il reste 3 secondes et ballon perdu encore par l'Olympiakos. Et d'entrée, on voit Panayotis Yanakis rappeler un petit peu tout le monde à l'ordre. Ça manque d'agressivité côté Olympiakos, mais par contre, c'est très bien côté Orléans. Dans ce type de match, il faut d'abord résister. Alors là, il doit reculer. Alors Fesarbit demande au caméraman de notre équipe de reculer un petit peu. Pas facile. Pour eux de se... Ils peuvent parler espagnol entre eux. Hein. Oui. Parce que le premier arbitre est... Monsieur Juan Carlos Arteaga, accompagné de monsieur Dubravko Muvic et monsieur Vicente Pulto. On découvre notre chargé de production, Karine de Mélis, qui est aux affaires. C'est vrai que d'habitude, les caméras sont positionnées à cet endroit. Donc pourquoi on devrait changer aujourd'hui? En tous les cas, on va essayer de vous proposer le meilleur spectacle possible. Curti pour Justin Dolman. Tony Dobbins. 5 secondes, ballon pour Justin Dolman. Qui claque le dunk? Allez, faire remonter Korsanitis. C'est une bonne chose, il ne peut pas être en dissuasion. 8-0, Nicolas. 8-0. Et ballon récupéré par Ivan Kovin face à Bebichak. Vous avez vu sur le maillot de Bebichak, on l'a aperçu là, sur ce plan. Il est marqué Sofo. Ça tient pas, ça tient pas tout le nom entier. Korsanitis. Mais là, c'est Sofoklis. En plus. Oui, Sofo, oui. Sofo, c'est son surnom. Alors que Ivan Kovin est sorti. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui a son prénom plutôt que son nom sur le maillot. Notre idole, Sofoklis.
C'est manqué pour Todosic. Un grand rebond de Tony Dobbins. Ils sont vraiment présents là. Dans leur zone défensive, les Orléanais. Ludovic Vati, un petit peu court face à Sofo. Sofocris qui va prendre la position directement. Todosic qui ne fait pas la passe. Mais il le cherche. Hein. Oh mon Dieu qu'il le cherche. Et il le trouve. Et Sofo qui s'ajuste bien près du cercle, malgré le retour de Justin Dolman. Totalement inarrêtable, hein, totalement inarrêtable. Vous vous rendez compte qu'avec Borussis le week-end dernier, ils ont plié Mike Baptiste et Nicolas Pekovic. Autrement dit, deux des plus grosses pointures européennes dans la raquette. Et ouais. Ce panier de Sofoclis arrête la série orléanaise. Bati qui s'arrête et qui marque. Après une bonne fixation dans l'intervalle de Aldo Curti. Todosic pour Sofo. C'est manqué cette fois, elle prend son propre rebond. Deuxième chance tranquillement. Hein. Il est dominant, absolument dominant. C'est le plus gros champ d'Europe hein, quand même. Hein. Banks à 3 points. Rebond pour Linas Kleza. Continue de mettre le focus sur Sofoclis. Vassilopoulos son drive. Pour Sofo, bonne défense orléanaise. Ballon récupéré par Aldo Curti. Contre-attaque avec Banks. Le alley-oop Tony Dobbins qui rate le dunk. Ballon récupéré par Orléans qui se bat. Très bien joué de la part de Cédric Banks. C'était magnifique. Curti pour Dobbins à 3 points. Allez, on voit Tony. Yes. Ouais. Yes, yes, yes. On en parlait tous les deux avant le match. Parce qu'il était en crise de confiance. C'est son premier panier à 3 points de l'Euroleague. C'est son premier panier à 3 points de l'Euroleague. Il est bien rentré dans ses appuis. Il est descendu. Et il a lâché son bras. Et il bat son record de points cette saison en Euroleague qui était simplement de 2 points. C'est vrai que c'est un joueur surtout avec une étiquette de défenseur, Tony Dobbins. Défenseur, accélérateur de jeu aussi, c'est-à-dire qu'il est très bon sur tout ce qui est jeu de transition. Le bémol de son jeu, c'est la régularité d'adresse, hein, de toute façon, on le sait. Et rentre en jeu de Papaloukas pour l'Olympiakos. Bon, Ludovakti, il souffre à la position, à la pour résister. Sofo. Deuxième rebond offensif, il remonte vers le cercle, le troisième, non. Ballon toujours pour l'Olympiakos. L'entreprise de destruction Skorzenitis. Mais là, il est dans le rouge, et pas que sur le maillot, il n'en peut plus. Et c'est Ioannis Bourousis qui va arriver au relais. Pas forcément une bonne nouvelle, hein. On connaît tout le talent de ce joueur, Ioannis Bourousis. Champion d'Europe avec la Grèce en 2005. Un joueur qui peut faire beaucoup de choses sous des allures pataudes, alors que Vassilopoulos a une arcade qui a souffert. Et sur la remise en jeu, l'Olympiakos a marqué avec Todosic. En renard. Banks face à Beverly. Dobbins. L'arrivée du maestro. Theodoros Papaloukas. Bati. Il va défier Rosis. Dolman qui monte au cercle et qui marque face à Linas Kleiza. S'il n'y avait pas eu Linas Kleiza, il dunkait Nicolas. Il dunkait. Mais il a vu arriver Kleiza, il s'est appuyé sur la planche. Ballon rendu au grec. Et l'activité au sol de Aldo Curti gêne beaucoup Theodosic. Premier temps mort et bonne nouvelle. Le tableau d'affichage indique pain plus 5 et intéressant pour Orléans, 15 à 10. Cinq points de retard pour l'Olympiakos. Et vous savez, ça arrive parfois quand on met trop le focus sur l'intérieur. On oublie de jouer autour, c'est un peu ce qui est arrivé à l'Olympiakos qui a quand même lâché pas mal de balles.
parce qu'ils ont déjà 4 balles perdues, non pas sur des marchés ou des charges, mais sur les 3 interceptions orléanaises. Et rentre en jeu de Yotam Alperin, israélien. Oh là là, c'est pas loin de marcher là. Beverly, bonne défense orléanaise, marché, bonne défense d'Aldo Curti. Qui fait un gros chantier défensif depuis le début du match, Aldo Curti. Toujours Patrick Beverly au basque de Cédric Banks. Curti. Ballon perdu. Curti qui cherchait Adrien Moerman. C'est une tendance qu'a Aldo de rentrer trop dans les intervalles et après, il a la qualité de sa passe s'en ressent. Il aurait intérêt à partir plus au large, à être plus au large. Il aurait une meilleure vision du jeu de ses partenaires. Ce qui est important pour un meneur. Malocas. Fondamental même. Cléza, c'est court, rebond d'Adrien Moerman avec Cédric Banks qui met de la vitesse. Banks qui va s'arrêter. Curti sous le cercle. Tony Dobbins pour Ludovic Blatty, c'est bien joué. La faute de Borosis. Borosis qui n'avait pas bougé mais il a fait un petit pas latéral. Et Ludovic Vatti a obtenu la faute en butant dans ses bras. Une action plutôt bien jouée avec l'envie de se passer la balle et du rythme donné d'abord par Cédric Banks et un bon enchaînement derrière. Deux lancers francs pour Ludo Vatti. Et l'arrivée d'Austin Nichols à la place de Cédric Banks. Impeccable, Ludovic Vatti sur la ligne 2 sur 2 et plus 7, c'est le plus gros écart pour Orléans dans ce quart-temps. C'est la seule statistique de comparative entre les deux équipes qui est en faveur d'Orléans, ce sont les lancers francs, 77% contre 67 et presque 78 d'ailleurs pour l'entente orléanaise. Papa Lucas. Oh le coquin, oh le coquin. Déjà, il enrhume Tony Dobbins sur un mouvement de dos magnifique. Et c'est là où on voit qui va vite, Théodorance Papaloukas. Et derrière, il obtient la faute de Ludo Vatti. Grand artisan du succès de l'Olympiakos face au rival de toujours, le Pana, ce week-end. Vous en avez parlé, Jacques. Une victoire de 11 points de l'Olympiakos avec 20 points de Théodorance Papaloukas. L'Olympiakos qui est invaincu. Il était court et pas droit, mais cet animal, il met dedans. Sur deux pour Théodoros Papaloukas, l'homme qui remplit toutes les colonnes de stats avec le retour de Milos Teodosic. Bonne protection de Raymond Kovi. Curti à 3 points, le deuxième du match pour Orléans. Plus 8. Tony Dobbins, c'est Aldo Curti qui met dedans. C'est tout bonus pour l'entente orléanaise. On sait que c'est pas obligatoirement leur registre. Alperin qui pénètre, il provoque la faute de Tony Dobbins. Il s'en sort bien, Yotam Alperin, l'Israélien. Ils sont deux joueurs à avoir porté les couleurs du Maccabi. Yotam Alperin et Nicolas Vucic, un peu blessé par les temps qui courent. Et c'est la deuxième faute, première faute de Tony Dobbins, troisième faute collective. Alors que l'Olympiakos n'a fait qu'une faute. Et Laurent Sierra fait son entrée en jeu. Deux sur deux pour Alperin. Ils ont monté la défense, ils sont en tout terrain, mais Raymond Coville protège bien ses arrières. Sierra, Austin Nichols, Aldo Curti. Pas de solution à Ivan Coville. Curti, 5 secondes. Il enclenche quelque chose. Curti monte au cercle. Il était un petit peu court, dommage. Il était passé pourtant. Ouais, Adrien Moerman a lutté aussi. Papaloukas. Teodosic. Bon repli défensif orléanais. Bonne pression sur le ballon.
Palokas qui cherche la solution intérieure avec Bourosis qui marque au-dessus d'Adrien Moerman. Et bien content qu'on n'ait pas sifflé la faute qui avait eu lieu sur le bras de Ioannis Bourosis. Scouté par la NBA cet été, ils l'ont trouvé trop ceci ou trop cela. Moi perso, j'en vois les plus mauvais que lui en NBA. Moerman à 3 points. Et ça rentre toujours. 3 sur 4 à 3 points pour Orléans dans ce carton. On sait qu'on l'entend mettant à 3 points, elle franchit un cap. Et pour une fois cette saison en Euroleague, Orléans est bien en place dès le début du match. C'est une équipe qui a du mal à démarrer les rencontres. Ah, c'est ballon ça. S'il doit y aller un peu sur ce qu'on appelle le reaching, le toucher de ballon, il doit y aller avec la main droite, Ivan Jukovic. Il ne doit pas y aller avec la main gauche, parce qu'en croisant, il va y avoir un contact. Regardez, il y va avec la main gauche. Non, aucune chance. On revoit le shoot d'Adrien Moerman. Et Orléans maintient cet écart de 7 points à moins d'une minute de la fin de ce premier quart-temps. Belle passe pour Alperine, la passe de Papaloukas. Alors celle-là, elle était balle. Passe laser sur la ligne de fond. Alperine qui joue bien sans le ballon. Laurent Ciara, Austin Nichols. Austin Nichols, son premier shoot. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe Hervé. Ce sont les shoots que j'aime bien, ça. Voilà. Et à nouveau plus 7, il y aura encore une possession pour Orléans. Sans doute le meilleur carton d'Orléans en Euroleague cette année. Nouvelle interception. La dernière possession, il faut l'emmener au bout. Ils ont des fautes à donner. Hurti. Hurti qui est victime de la faute. C'était inévitable, vous allez la donner. Première pour Milos Teodosic. Il va sortir parce qu'il a fait une faute et Panayotis Yannakis ne prend aucun risque. Retour de Patrick Beverly pour l'Olympiakos. 3 secondes. Vati qui prend le shooting de fond, ça rentre pour Ludovic Vati. Et un superbe premier carton pour Orléans qui mène 27 à 18 plus 9, c'est le plus gros écart dans cette première mi-temps pour Orléans. C'est parti pour le deuxième carton sous le regard d'Hervé Dubuisson, venu apprécier ce premier carton. Il est venu faire un stage, Hervé, du côté de Bourges, et évidemment sa passion basket fait qu'il a fait le court déplacement. Plus 9 pour Orléans. Adrien Moerman s'est manqué. C'est dommage parce qu'il n'avait pas enchaîné. Une raquette toute jeune de garçon né en 88. Adrien Moerman. Ballon perdu encore. Kurti qui va aller au bout, qui marque face à Teodosic. Encore un ballon perdu pour l'Olympiakos. 7 pertes de balles qui génèrent 5 interceptions et qui sont sanctionnées directement. Pour ajouter l'adresse exceptionnelle d'Orléans, l'Olympiakos qui n'a pas mis un panier à l'extérieur de la raquette. Et allez, encore une interception avec Laurent Ciara et la faute de Papaloukas, faute anti-sportive. C'est tout bénéfice. C'est la première pour Papaloukas. Papaloukas qui, juste avant la reprise du jeu, avait fait signe à ses camarades que c'était maintenant qu'il fallait y aller. S'il l'a fait, elle est bien faite, mais elle n'est pas grosse. En tout cas, avec lui, vous avez vu cette tête de filochard qu'il a dans les pieds nickelés. Je sais que c'est vieux, les pieds nickelés. Mais il a vraiment la tête de filochard. Comment ça l'a trouvé Mossad, Panayotis Yannakis? Oui, parce que là, on est à plus 12 et plus 13, peut-être si Laurent Ciara met son deuxième lancé. Laurent Ciara qui n'a marqué que sur lancé franc. Depuis le début de la saison, il n'a pas mis un shoot ni à 2 points, ni à 3 points. Il n'a pas shooté à 2 points, il est à 0 sur 4. On a déjà eu le premier panier de Tony Dobbins. Si Laurent marque, ce sera vraiment la soirée Jeanne d'Arc. Ce qui, du côté d'Orléans, est plus ou moins normal. 11-2. On croit rêver quand on voit cette série en faveur des Orléanais. Plus 13. Bâti en difficulté, marché. C'est là où il ne faut pas forcer.
Il y a eu une fois la balle intérieure. Ok, alternance. On ressort, on le fait travailler, on le fait bouger, ce bon Sophocles. Pas être trop gourmand. Pas être trop gourmand. Paloukas. Vassilopoulos, Alperin à 3 points, c'est manqué, rebond de Vassilopoulos. Et au rebond, il y avait la faute d'Adrien Moerman. J'en ai un mec qui reste en demain. Perrine, Papaloukas pour Sofo, et le contre, quelle vache d'Adrien Moerman qui est arrivé par derrière pour contrer Bébichac. La résistance aussi de Lito Vati qui, regardez au contact, faut tenir hein, quand il engage l'épaule, et Adrien Moerman qui scotche au niveau du cercle. Et c'est la fête dans le Zénith d'Orléans. Public qui n'y croit pas. Maxi qui y croit, mais qui est agréablement surpris. Allez, ficelle. Shoot ouvert pour Austin Nichols. C'est manqué. Adrien Moerman au rebond offensif. Sierra. Mal opposé pour Aldo Curti qui prend donc, qui préfère redonner à Austin Nichols, toujours à 3 points. C'est dedans pour Austin Nichols. Et l'écart qui grimpe. C'est un truc de fou! Plus 16! C'est un truc de fou! Plus 16, il y a un 7-0 dans ce début de deuxième quart-temps pour les champions de France. Mise à deux sur Sofo. Faute d'Aldo Curti qui était allé au contact. Ouais, qui était venu tel le furet par derrière là, sur la ligne de fond. Bon, Curti qui sort, qui laisse sa place à Cédric Banks. Et on retrouve. C'est pas son fort à Sophocles. Hein. Il est lancé, il est capable de déchirer. Voilà. Il est quand même à 33%, à 7 sur 21 depuis le début de l'Euroleague. Hein. Alors qu'il est à. Avant ce match, il était à 100%. À 2 points dans ses tirs. Et globalement, l'Olympiakos, à 2 points, est à 61% et des brouettes. Vous imaginez quand même. Et à 36% à 3 points. Adrien Moerman. Laurent Sierra. Moerman. Cédric Banks. Il va y avoir un pick and roll avec Ludo Vati. Sur sa main gauche. Banks, il prend le tir à 3 points. C'est court. Faute de Ludovic Vati, dommage, c'est sa deuxième, il était à la lutte au rebond avec Chorksanitis. Les deux grands sont à deux fautes. Philippe Hervé prend le parti de jouer avec Justin Dolman et Adrien Moerman dans la raquette. Lequel va scoltiner Sophocles? C'est Adrien et Bavaro. Bon courage. Voilà, oula. Ah, c'est un bus, hein. C'est un buffle. Bonne défense. Tout près de perdre le ballon, Sofo. Papaloukas. Qui joue en reculant, oh, ça rentre. Court, mais bien touché, bien tombé. Et Philippe Hervé qui stoppe le match et prend en mort. Le score 34 à 21 pour Orléans. Trois petits points inscrits pour l'Olympiakos dans ce deuxième carton. Ils sont toujours à 0 sur 2, à 3 points contre un excellent 4 sur 7 pour Orléans, derrière la ligne des 6 mètres 25. Est-ce que Philippe Hervé va rester en homme à homme? Je pense. Mais avec Adrien et Justin Dolman, quand même, ça manque de kilos face à cette masse de Sophocles sur Sanitis. Et s'il faisait jouer les deux en même temps avec Gouroussis, ça compliquerait le dossier. Moerman. A l'inverse, il peut le jouer au large comme ça en attaque. Nichols, qui est plutôt confiant, il a rentré ses deux premiers shoots.
Vraiment, une seconde, c'est complètement raté. Il a essayé d'éviter Sophocles, donc il a été obligé de se décaler d'un mètre cinquante. C'est dur là pour Adrien Moerman à la lutte avec Sofo. Oh, l'extra passe pas faite par Kleiza. Sofo sous le cercle. Ah non, mais ils vont faire que ça. Hein. Ils vont faire que ça. Et déjà 4 passes décisives pour Papa Lucas. Autant qu'Aldo Curti qui en a fait 4 aussi. Nichols qui pénètre face à Kleiza. Il provoque la faute. Faute de Linas Kleiza. C'est la première faute pour le Lituanien. Il fait partie des joueurs de l'Olympiakos qui aurait sans problème sa place en NBA. Bah, il y a été, hein. Il a même fait l'année dernière, je crois que c'était à Denver qu'il était. C'était le sixième homme. C'était le sixième homme, il a fait des pointes à 20, 25. Joueur capable de prendre feu à la ligne NBA à 3 points. Et si on parle de NBA, la bonne nouvelle du jour, c'est la signature d'Allen Iverson pour les Sixers. Ils se sont mis d'accord. Les Sixers qui retrouvent leur meilleur scoreur historique en saison, puisqu'il a le record de la franchise avec plus de 28 points par match. Est-ce qu'on avance pour Orléans? 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Borosis passe à Justin Dolman, la passe à l'opposé pour Papa Lucas à 3 points. Le premier tire à 3 points des Rouges. Il est excellent Papa Lucas dans ce match, comme s'il sentait qu'il fallait remettre son équipe sur les rails. Olympiakos est revenu à 10 points. Banks pour Adrien Moerman à 3 points. Ah, le deuxième pour Adrien Moerman. Bien servi par Laurent Sierra après la pénétration de Cédric Banks. Ils ont pris confiance les Orléanais. On a un match très très sympa Nicolas. Teodosic, la réponse derrière à 3 points du Serbe. Eh bien ils n'en avaient pas mis un jusque là à l'extérieur de la raquette. Et là 2-3 points pour Milos Teodosic et Théo Papaloupakas. Allez. Moerman, victime de la faute de Teodosic. La deuxième pour le meneur de jeu de l'Olympiakos. Temps mort, 10 points d'avance toujours pour Orléans à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Austin Nichols, c'est reparti, 5 minutes encore à jouer. Banks qui perd la balle. C'est un énorme défenseur, marché le Papa Lucas. Il a félicité l'arbitre d'avoir vu son marché. Alors là, avec Laurent Sierra et Papa Lucas, il y a malin et malin et demi hein, quand même. Hein. Ils se sont succédés d'ailleurs sous les ordres de Panayotis Yanakis et Panonios. Justin Dolman qui était loin, le ballon qui ressort du cercle. Et pour la première fois dans ce carton, une possession pour passer sous les 10 points. La bonne défense orléanaise, seulement 29 points marqués par l'Olympiakos. Kleiza, ligne de fond, ballon volé encore avec Laurent Sierra. Les bras actifs et la faute de Vasilopoulos façon Euroleague. Et Borosis qui à son tour prend un coup. Tout à l'heure c'était Vasilopoulos. Vous savez quand vous prenez des coups, c'est que vous n'êtes pas en situation d'éveil aussi. Bien sûr on peut se faire détruire, mais là comment il le prend? C'est son coéquipier, c'est Kleiza. C'est Kleiza qui lui tape dessus. Il dit pas sur la tête, pas sur la tête. Justin Dolman. Il durcisse la défense, Nicolas. Moins de 10 secondes. Quelle passe pour Austin Nichols. À 3 points, rebond long. Allez, Austin Nichols qui récupère son propre rebond. Les refaire travailler. Voilà. C'est très bien. Allez au large pour. Il faut sortir les joueurs qui sont défendus par Borosis et Skorzenitis. Parce qu'ils n'ont pas un déplacement latéral suffisant, pas un déplacement en profondeur pour pouvoir contrôler des intentions vers le cercle. La deuxième pour Borosis. On rappelle que l'Olympiakos est privé de Josh Childress, reparti aux États-Unis pour les obsèques de son papa. Et que l'efficacité de Patrick Beverly et Von Waffer
Van Vaffer, pourtant, il jouait 20 minutes à Houston l'année dernière. Et quand même approuvé, on va dire. L'arrivée du vieux soldat, Nikola Vucic, au relais de Borussis. Alors très sincèrement, hein, sur cette première mi-temps, on a l'impression que c'est une ombre qui est passée. C'est pas le vrai Ioannis Borussis. Comme si le match du Pana avait éteint la joie qui a dû en découler, avait éteint pas mal des intentions de l'Olympiakos, au moins pour cette première mi-temps. Vasilopoulos à l'opposé pour Linas Kleza, le shoot à 3 points. Allez, rebond pour Dolman qui se bat face à Vasilopoulos. À l'opposé, il l'a vu. Banks. Il l'a vu. Et Airball. Le sous-marin. Alors que c'est un shoot qu'il aime bien, Cédric Banks. Public du Zénith est à bloc derrière son équipe. Il y a la maison verte à Villeurbanne, c'est la maison blanche ce soir au Zénith. On l'a vu plus blanche parfois, des vraies vagues pendant les playoffs. Vucic qui signe son entrée par un premier panier. Une académie de technique de pivot. Laurent Sierra. Premièrement face à Vucic. Et faute au rebond, faute de Yotam Alperin. C'est là, comme ils sont dans le bonus, c'est tout bonus pour Orléans qui va aller sur la ligne. Ça serait vraiment bonne nouvelle de conserver cet écart de 10 points avant la pause. Justin Dolman qui sans forcer quoi que ce soit est déjà à 8 points et 12 déval avec 3 rebonds. Et pour l'instant, un 4 sur 5 au lancer franc. Comme l'équipe d'Orléans qui est à 100% sur la ligne. Pardon, 3 sur 3, je m'étais trompé de colonne. Oui, ils n'ont rien lâché. Et ben voilà. 1 sur 2 pour Justin Dolman. Palukas. Kleza qui essaye de passer en férocité les cours. Rebond de Vucic qui ressort. Alperin à 3 points. C'est dedans. Sur caviar de Papa Lucas. Faute technique pour avoir touché le ballon après la remise en jeu. Les Orléanais voulaient aller faire la remise en jeu rapide. Linas Kleiza, je ne sais pas si on va le revoir, c'est opposé. Et résultat des vélos, faute technique. Deuxième faute pour le Lituanien. Lucas, le gros faillot qui fait signe que c'est bien à l'arbitre. Il accumule des balles. L'escroc. Impeccable sur la ligne, Laurent Sierra. 2 sur 2. Et possession donc derrière pour l'entente orléanaise. Alors que Tony Lebin c'est de retour. Sierra face à Alperin. Déjà 44 points mis à la défense de l'Olympiakos. C'est un tantinet énorme. Hein. Sierra à l'opposé pour Cédric Banks qui pénètre. L'interception de Papa Lucas. Il va aller au bout face à Dobbins. Il rate sa contre-attaque. Et derrière, faute de Cédric Banks. Vous voyez, ils auraient pu s'éviter. Là. Alors certes, il fallait faire une faute au milieu. Mais ils auraient pu s'éviter l'affaire. Alors que Vasilopoulos saigne de son arcane et est obligé de ressortir. Et clairement, il y a des soucis de compréhension entre Patrick Beverly et ses coéquipiers. Il vient de prendre une chasse par Papa Lucas. Retour de Kleiza. Et Austin Nichols est revenu pour Orléans. Kleiza capot hein, dans cette mi-temps. C'est un truc de fou. Alors que c'est le meilleur marqueur de l'Olympiakos qui tourne à plus de 18 points par match. Alperin pénètre face à Nichols. Il est contré par Justin Dolman. Impressionnant. 11e perte de balle de l'Olympique Marche. Portée de balle. Sur le dribble croisé gauche-droite. 11e perte de balle de l'Olympiakos pour seulement 10 passes décisives. Eux qui en perdent 14 par match. Vous vous rendez compte? Mézard
Face à Adrien Moerman, Patrick Bemerly. Palukas essaye de jouer avec Vucic. Bien défendu. Une faute de Justin Dolman. Avec une très belle passe à terre de Theodoros Papaloukas. On la revoit. Il n'y a rien à dire. Il y a même faute aussi d'Adrien Moerman. On revoit le contre de Justin Dolman sur Alperin. C'est une constante depuis le début du match. Les Orléanais ont les bras actifs. Et une excellente défense grâce à ça. Nicolas Vucic avec un shoot arc-en-ciel. Tout en mesure pour le Croate. Feuillet, ils sont revenus sous les 10 points. Et un sur deux pour l'ancien Villeurbanais. C'est vrai qu'il a été champion de France, Nicolas Vucic. Nichols face à Alperin, le tir difficile d'Austin Nichols. Oui, mais il a l'avantage de taille. Alperin ne peut pas défendre sur Nichols. Et Austin Nichols, dès qu'il peut enchaîner drip fade, c'est-à-dire shoot reculant, il est inarrêtable. C'est vraiment depuis 15 jours un autre joueur qu'on retrouve là. Plus 11 pour Orléans. Alperin à 3 points, qui enchaîne bien. Enchaîne très bien à 3 points. 2 sur 3 pour lui derrière l'arc. Laurent Sierra. Sierra, ligne de fond. Il y a moyen de provoquer des fautes là avec ce Lascar-là. Oh là là, le panier, le premier panier à 2 points de Laurent Sierra en Euroleague. Soirée Jeanne d'Arc. Il n'avait marqué que sur lancer franc jusqu'à ce moment, Laurent Sierra. C'est un signe. Et le Zénith qui pousse. Quel mi-temps. Et Alperin, il lui monte dessus. Vucic, la faute d'Austin Nichols ou de Justin Dolman. Il lève tous la main en espérant qu'elle ne soit pas mise à Dolman. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Deuxième faute finalement pour Justin Dolman. Ouais, les trois grands de faute, ça c'est un poil embêtant. 48-38, à moins de 30 secondes de la fin de cette première mi-temps. Papaloukas en discussion avec Patrick Beverly. Meilleure évaluation de la première mi-temps, hein. Papaloukas en 14 minutes de jeu. C'est la comédien de l'art, hein, quand même. Regardez-le. La comédien de l'art. Premier lancé pour Nicolas Vucic. Qui a moins de physique que ses compères, mais qui a fait plus de mal sur le peu de temps qu'il a joué en provocation de faute que Bourroussis, par exemple. Orléans, Nicolas, qui n'a perdu que 6 ballons dans la mi-temps, ce qui est remarquable. La dernière possession pour Orléans dans cette première mi-temps. Laurent Sierra. Bon, ils vont l'emmener au bout. Hein. 8 points d'avance. Sierra face à Beverly. Allez, mouvement qui est déclenché là par les Orléanais. Ballon perdu malheureusement, Vasilopoulos la contre-attaque, il y a encore du temps. Beverly, bon retour de Laurent Sierra qui scotch Beverly. Et fin de cette première mi-temps. Orléans est devant, 48-40. Premier carton remporté, 27-18. Ils auront résisté les Orléanais dans le deuxième carton, puisque l'Olympiakos remporte ce deuxième carton 22-21. Bonne surprise donc à la pause, plus 8 pour Orléans. Page de pub, on se retrouve dans un instant. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Plus 8 pour Orléans à l'entame du troisième quart-temps. On les avait tapés en team, on avait pris cher là-bas. Hein, parce qu'ils étaient colères quand on était arrivés. Alperin qui s'approche, tire à deux points, c'est manqué, rebond.
Dolinas Kleiza qui rend la balle à Orléans. Pour l'instant, il est bien dans le sac, Dolinas Kleiza. Mettre en place. Aucun point en première mi-temps pour les Lituaniens. Kurti pour Justin Dolman. Ah, il aurait presque pu prendre la planche, prendre le plexi. Alors que Papaloukas est dans le 5. C'est dire qu'il y a une forme, pas d'urgence, mais de... Oh, qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Et le ballon qui ressort du cercle. Vucic, ballon rendu encore. Ils ont de la réussite, là, les Orléanais. Devant sur Cédric Banks. Non, c'est sur Justin, Tony Dobbins. Il est tout seul, Cédric, là-bas. Aïe, 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 aïe. Kurti, Dobbins aussi, tout seul à 3 points. Et il met son deuxième shoot à 3 points. Et il met bien les jambes. Et ça te fait plaisir. 8 points quand on sait qu'il n'avait pas dépassé la barre des 2 points en Euroleague cette saison. Quel match de Dobbins. Et de nouveau, l'entente orléanaise à plus de 10 points d'avance. Papaloukas et Alperin dans le coin à 3 points. Quel shooter. Ouais, un bon renversé de Papaloukas. Teodosic qui fait l'extra passe. 3 sur 4 pour Alperin. Donc 3 sur 3 en série. Alors ça, c'est... C'est quand il va trop profond, Aldo, et il s'en excuse auprès du banc, donc de Philippe Hervé. Quand il va trop profond comme ça, c'est pas bon. Pesa pour son premier panier, les cours. Bien ah, défendu, ouais. La part Ludovic Vati. Ouais, ça c'est bien de porter le fer. Voilà, ressortir au large. Dobbins qui est passé, il provoque la faute d'Alperin. C'est la deuxième pour le joueur israélien. Anayotis Yanakis qui coach près du texte. Hein. Il a vu que Vucic était efficace, même si là il vient de manquer un panier. Il laisse vraiment les gars qui lui ont plu en première mi-temps. Remarquez, au fil du match, si vous mettez Bourroussis sous Skorzenitis, ça fait pas du bien quand il rentre. Banks en difficulté, il est enfermé, il retrouve Ludovic Vati à l'opposé pour Dobbins. La faute encore provoquée par Tony Dobbins, c'est celle de Papaloukas. Et qui a été pris, il a trop avancé Papaloukas. Tony Dobbins intelligemment a vu ça et il a pris l'intervalle, il avance trop. Et il était presque quand même placé hein, l'animal. Ballon récupéré de justesse par Banks pour Dobbins. Allez, ne pas s'affoler. Dobbins, Justin Dolman. C'est dur à 3 points, c'est dur. Rebond pour Nikola Vucic. Alperin qui joue avec Kleiza. Kleiza toujours pas, toujours oh, pas. Oh, quel joli rebond! Quel joli rebond de Justin Dolman à les ficelles. Ah, c'est dommage. Nicolas, prenez la balle, elle est pour vous. Ado Kurti. Banks. Ils y sont dessus. Hein. Lui, ils l'ont scouté. Tati pour Justin Dolman à 3 points. Oui. Yes. Très joli renversé. Ludo Vati qui n'a pas été gourmand, qui fait un bon renversé de balle. C'est ça aussi. C'est bien et les bras là. Ballon récupéré par miracle là, par l'Olympiakos. Teodosic. Et encore Justin Dolman qui bondit. Il est énorme. Il est énorme depuis le début du match, Justin Dolman. Kurti, Ludovic Vati face à Vucic. Bien ça, voilà. Dobbins. Hop, le ballon pour l'Olympiakos. Il était parti à l'aventure, Tony Dobbins. Les Grecs qui refusent la première attention. Et ils vont jouer la carte des poids lourds en remettant le routier sympa qui est Chorzanitis. Et la troisième faute de Ludovic Vati. Qui interdit l'accès au cercle
à Yotan Alperin, mais qui va aller, Yotan Alperin, sur la ligne de lancer. C'est la troisième effectivement pour Ludovic Batir, remplacé par Ivan Kovil. Et retour de Sofokis Chantzanitis, qui est un super joueur d'échecs. On ne dirait pas comme ça, avec son gabarit monstrueux. Nikola Vucic sur le banc à côté du Yanis Bourousis. De lancer pour Alperin, qui est le meilleur marqueur pour l'Olympiakos avec 15 points. Les deux équipes qui sont plutôt efficaces au lancer. Hein. 10 sur 12 pour les Grecs et 11 sur 12 pour Orléans. Ado Curti. Pour Banks. Robbins. Défendre beaucoup plus fort. Robbins, hein. Quelle passe pour Ivan Kovil qui partait vers le cercle. Anthony Robbins qui a bien trouvé sur la passe à terre. Ivan Kovil qui provoque la faute de Sofoklis, qui n'a pas échappé à monsieur Mouvic. Il est en retard, Babychak. Ouais. Et voilà, ça y est, c'était le seul Orléanais qui n'avait pas scoré dans la première mi-temps, de ceux qui étaient rentrés, bien sûr. Et c'est fait. Un joli 2 sur 2 pour continuer ce quasi sans faute au lancer, 13 sur 14. Et plus 11 pour Orléans. Un peu plus de 5 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Et le contre de Tony Dobbins qui est arrivé par derrière. Cédric Banks en contre-attaque. À l'opposé pour Dobbins. Justin Dolman, le tir ouvert à 3 points. Yes, alléluia. Et le Zénith qui explose. Quel basket magnifique pratiqué par Orléans. Extraordinaire. Extraordinaire. Quelle réussite à 3 points pour Orléans qui est à 8 sur 16 après ce tir. Regardez le scotch derrière de Tony Dobbins. Boum. Sur Chantzanitis. Et c'est une œuvre commune parce qu'il faut d'abord résister à l'impact pour le fixer. Et à ce moment-là, l'aide arrive. Et le shoot en première intention de Justin Dolman. Maintenant les gars, oh, c'est maintenant qu'il faut les stopper. We have to make stop, stop in defense. It's now. Allez ensemble, nous trois ensemble. On 5 pour démarrer pour l'équipe de Philippe Hervé dans ce troisième quart-temps. Grosse différence au niveau de l'éval, ouais. De l'évaluation, hein, regardez. Ça. C'est monstrueux. Mais il y a quand même 14 points au plan shot, hein, mais il y a le double à la différence d'Eval. Un tout petit peu plus du double. Les deux équipes sont vraiment très à droite à 3 points. 10 interceptions pour Orléans face aux Grecs. Déjà 2 dans ce troisième quart-temps. Ils en ont fait 4 par quart-temps. On a joué 5 minutes. Ils en ont déjà fait 2. Ils sont sur leur moyenne. Alors que là, Aldo Curti dit qu'il joue le système à l'épaule. Plus 14, c'est le plus gros écart du match. Papaloukas. Et toujours les bonnes mains et les bons bras orléanais. On sert Sofoklis, Chantzanitis, victime de la faute d'Aldo Curti. Pas évidente, la deuxième faute du meneur de jeu d'Orléans. Il était sur le cuir. Est-ce qu'il a pris un peu les mains avec? On va revoir en remerciant nos réalisateurs. Et il était bien sur le cuir. Et Milos Teodosic qui sanctionne à 3 points.
On sait qu'il peut prendre feu. Extraordinaire Teodosic pendant le championnat d'Europe polonais en septembre. Justin Dolman, Banks. Banks face à Teodosic pour Ivan Kovil. Petit shoot court de Kovil qui récupère son propre rebond et qui marque derrière. Toute l'envie orléanaise illustrée dans cette action de Ivan Kovil. Échec, je suis mon ballon, je récupère. Et Orléans qui maintient toujours l'écart. Sophocles qui perd la balle face à Tony Dobbins. Tony Dobbins, s'il fait un chantier, c'est quelque chose. Hein. Curti, obligé de s'arrêter face à Sofo. Et possession pour passer à plus 15. Aldo Curti qui envoie la balle. Papa Lucas, il joue vite avec Alperin. Teodosic. Papa Lucas pour Teodosic, le deuxième de suite. Le deuxième de suite, il a la main chaude, le Serbe. Il a la main chaude et quand quelqu'un a la main chaude, Papa Lucas ne va pas le rater. Il va le cibler et c'est ce qu'il fait. Les Grecs reviennent à 10 points. Dobbins. Justin Dolman pour Ivan Kovil, ligne de fond. Le shoot difficile de Dobbins qui prend la tranche. La contre-attaque, Alperin, Teodosic avec Vasilopoulos pour Alperin qui dépose dans le cercle. Et la dernière équipe à avoir battu l'Olympiakos, c'est l'ASVEL. Eh bien voilà. Vous la tenez d'où cette info? C'est encore le Chinois? Et je ne crois pas que ce soit le Chinois. Je vais vérifier, mais... C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2003. Et vous savez, nous les Français, on est les rois de l'autoflagellation. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Série en cours pour les Rouges, 8-2. Villeurbanne que vous retrouverez demain dans un match décisif pour la qualification pour le top 16 face à Kaunas. Rendez-vous à partir de 21h sur notre antenne. Mais il y a les moyens de passer, Nicolas. Il y a les moyens de passer pour l'ASVEL. Ce serait un moyen aussi de prendre confiance. On a des concurrents là. C'est notre équipe de cadreurs qu'on voit dans les tribunes. Pourquoi pas immortaliser un exploit pour Orléans ce soir face à l'Olympiakos. La route est longue, il reste encore quasiment 13 minutes. 8 points d'avance. Et ils sont plus du tout là pour plaisanter. Il va falloir que tout le monde reste à ce niveau. Austin Nichols. C'est court à 3 points. Rebond récupéré par Papa Lucas. Huit points d'écart, c'était l'écart à la pause. Alperin. C'est monté à 14. Teodosic qui cherche Borosis, finalement qui s'appuie sur Papa Lucas, 4 secondes. Pression du chrono, c'est parti, envoyé, c'est pesé. Alperin au buzzer. Qu'est-ce qui fait fort, Yotan Alperin. Nicolas, 4 sur 5 à 3 points pour l'international israélien. C'est toute l'équipe de l'Olympiakos qui a retrouvé une adresse exceptionnelle à 3 points dans ce carton. Si on leur avait dit qu'à la 30e, ils se lèveraient tous pour un remonte, mon grand, trop tard. Pour allez, Banks, rendu, pour Banks, à 3 rendu. Points, c'est dur. Ballon qui ressort, remonte Teodosic. Teodosic encore, c'est court cette fois. Et Nichols pour la contre-attaque avec Banks. Banks à l'opposé pour Aldo Curti, allez. Et oui, Aldo Curti. Il ne faut pas les laisser revenir et ce panier est importantissime. L'altruisme de Cédric Banks. Et Aldo Curti qui casse un 11 à 2 pour l'Olympiakos. Panier qui fait du bien. Plus 8. Les deux équipes ont des fautes à donner. Deux pour l'entente orléanaise. Une, plus qu'une maintenant d'ailleurs. Et une pour l'Olympiakos. Et Borosis qui vient de taper
sur le panier. Geste de frustration pour l'intérieur de l'Olympiakos. Geste typique du joueur qui n'est pas rentré dans le match. Il est à 2 points, Yanis Bourousis. Alperin. Papaloukas. Eux, ils jouent avec 3 arrières en permanence. Hein, là. Alperin. Avec... Joli pas, signe de fond pour Vasilopoulos. 3 arrières, Papaloukas, Alperin, Teodosic. Et Vasilopoulos en poste 4, alors qu'on sait que c'est un 3 naturel. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Ado Curti, Adrien Moerdan, faute de Vasilopoulos. Et maintenant, ils sont dans le bonus à 29 secondes de la fin de, du quart-temps. La rentrée de Patrick Beverly. Le voilà. Avec son numéro 17. Ils ont intérêt à emmener la balle au maximum. Essayer de provoquer une faute. Et trouver une position ouverte, ce qui ne sera pas cadeau. Curti, Curti. Qui rate le cercle. C'était forcé de la part d'Andon Curti. Oh, l'interception, il vient revenu à nous sur 4 secondes pour Adrien Moerdan qui marque, et c'est tout bénéfice. Toute la rage d'Aldo Curti qui vient récupérer le ballon après avoir été un poil gourmand. Adrien Moerdan qui ne jouait pas la carotte mais qui était devant, qui renvoie l'Olympiakos à 8 points. Égalité dans ce troisième quart-temps, 18 partout alors que Orléans a eu jusqu'à 14 points d'avance. Ils sont bien revenus après la série de 11-2 des Grecs. C'est le même écart qu'à la pause, plus 8. Et comme le faisait remarquer Philippe Hervé, ils ne sont pas trop touchés par les fautes au poste 5. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. La réussite à 3 points des deux équipes, surtout pour l'Olympiakos. 4 sur 6 dans ce carton, mais c'est pas mal du tout pour Orléans, 4 sur 8. Oui, avec 2 sur 2 pour Aldo Curti, notamment. Et côté Olympiakos, c'est Yotan Alperin qui porte son équipe dans le registre. Arrivée de Laurent Ciara. Et si Cédric Banks prenait un peu feu, ce serait un plus considérable dans le money time. C'est parti pour le quatrième carton. Plus 8 pour Orléans. Banks. Ivan Koville. 10 secondes. Nichols. Nichols gêné par Koville. Et il se bat pour récupérer. Nouvelle possession. On a remis 24 secondes. Non, il n'a pas. Mais il a mis le pied sur la ligne. C'est vrai que Teodosic avait contrôlé la balle au sol avant de se la faire prendre. Papaloukas qui est en train de, d'être très collé envers la table de marque. Et dans ce match jusqu'à présent, il faut que la défense orléanaise continue d'être agressive. Rendez-vous compte, Nicolas, ils ont généré 22 points sur les balles perdues de l'Olympiakos, alors qu'eux n'ont donné que 5 points
à l'Olympiakos. Un différentiel de 17, ce qui est énorme. C'est énorme. Ballon récupéré encore par Orléans avec Adrien Moerman. J'ai Thierry Gourdal qui veille dans l'autobus là-bas. Orléans, allez, allez, allez. Oh là là, Covid pour récupérer face à Bourouzi, Silva. En force et en férocité. On se régale avec les Orléanais. Ils tentent des choses. 6 points pour Ivan Covid qui avait bien subi derrière. Vasilopoulos dans le coin pour Beverly. Bourosis qui va défier Covid et ballon rendu aux Orléanais, ils sont plus du tout là les rouges. Ben Bourosis, il vient. Attention Laurent. C'est récupéré. Banks. Allez, on marque là-dessus. Pour Adrien Moerman face à Bourosis. Contré. Mais la faute de Vasilopoulos. Ça va bien, les signaux. Les signaux sont au vert. Troisième faute pour Panayotis Vasilopoulos. C'est pas lui qui l'a fait la faute, c'est Bourosis qui l'a fait. Adrien Moerman sur la ligne. Et bien qu'ayant été battu au rebond, Orléans est battu au rebond et notamment offensif, sur leur deuxième chance, ils ont généré 12 points. Alors que l'Olympiakos n'a généré que 5 points, malgré un four de rebond offensif. Alors maintenant, ça c'est un moment important du match, le retour de Linas Kleiza. S'il reste dans le sac, lui, ça ferait du bien. Il est toujours à 0 points, le Lituanien, 0 sur 5 au total dans ses tirs. Et plus 12 pour Orléans, il démarre ce quart-temps par un 4-0. Le ballon dans le coin pour Linas Kleiza, oh là là, qui met son premier tir du match. Attention au réveil de Kleiza. Et vous savez, en 2003, le coach de l'ASVEL qui battait Olympiakos, c'était qui? C'était Philippe Hervé. C'est raté pour Laurent Sierra. Attention, une balle pour revenir à 7 ou 6. Vasilopoulos. Bourosis à l'intérieur face à Covid, il ressort à l'opposé pour Linas Kleiza tout seul, le 2 sur 2 de Linas Kleiza. Quand il est revenu, on savait que c'était important. Il ne faut pas s'appeler, il y a encore 6 points d'avance. De toute façon, on savait qu'une équipe comme l'Olympiakos aurait un moment. Covid. Très positif. Garder du rythme. Voilà, provoquer des fautes. Quatrième faute de Vasilopoulos provoquée par Austin Nichols. Et la deuxième faute collective, les emmener à 4 serait très bien, ça les obligerait à desserrer un peu l'étreinte. Moerman, Dobbins, Sierra, ballon difficile à l'intérieur, et Covid qui se bat, il provoque. Alors là, et non, c'est lui qui prend la faute. Bah, elle y est, mais avant, il est vraiment couvert de manière limite. Hein. Enfin. C'est la troisième pour Ivan Covil. C'est ce que dit Philippe Hervé. Alperin. Papa Lucas pour le tir à 3 points dans le coin pour Linas Kleiza qui continue. Qui continue son 3, festival. 3 sur 3. 9 points de suite pour Linas Kleiza. Et l'Olympiakos revient à 3 points. Les Rouges qui sont à 11 sur 16, 69% à 3 points dans le match. Et ils ont commencé par 0-3. C'est un truc de fou. Hein. Hey, please now. Dans ce carton, les
Grecs sont à 100% à 3 points. Il reste sur un 9-2, Nicolas, signé Linas Kleiza. Il était complètement à la rue. C'est aussi ça les grands joueurs. Hein. Et au niveau du shoot, c'est fiable. En poste 4 européen, il est au large. La défense d'Orléans donnant beaucoup d'aide sur l'intérieur. Elle n'a pas su réagir sur l'extérieur. Kleiza qui avait été le meilleur marqueur au match aller pour l'Olympiakos avec 23 points. Et c'est l'un des deux seuls joueurs de l'Euroleague à être présent dans deux top 10 différents, les points et les rebonds. Et rendez-vous compte, Papa Lucas, depuis qu'il est rentré sur le terrain, n'est pas ressorti. Ou 10 secondes juste à la fin d'un carton. Teodosic est utilisé aussi dans les grandes largeurs. La rotation ne se fait que sur les joueurs intérieurs, puisque Yotan Alperin, en deuxième mi-temps, n'est pas sorti non plus. Patrick Beverly et Von Waffer, ils usent plus le survêt que le short. Hein. Et l'attaque est dunk, Tony Dobbins. Voilà de quoi reprendre un peu de morale. Le survitaminé Tony Dobbins. Ça fait sourire Yanakis. Sourire jaune. Galperine pour l'homme en forme en ce moment. C'est manqué, le rebond pour Tony Dobbins, son fourré au moulin. Attention, le repli est bon, attention, le repli est bon. Et Edouard ! Wow, wow, wow ! Et bien, inarrêtable Tony Dobbins ! Une contre-attaque à 2 contre 4. Et la troisième faute de Papa Lucas. Et ça renvoie l'Olympiakos à 7 points. Ah mais il est génial. Il faut qu'un jour, il y ait une caméra que sur lui. Énorme Tony Dobbins. 21 des balles, 5 sur 7 au shoot, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions. Un lancer manqué. Il rate le lancer bonus. Et Orléans refait un petit écart. Plus 7, 6 minutes de la fin de ce match. Kleiza ligne de fond, il part au cercle, il ne marque pas la claquette de Bourouzis. Ivan Koville était allé à l'aide sur la pénétration de Kleiza. Et les voilà, revoilà à 5 points. Et ça s'active sur le banc de touche grec. Il ne pensait pas se retrouver dans une situation pareille. Dobbins pour Koville face à Bourouzis. Se retourne Ryan Koville, il marque. Très bien Ryan Koville. Il a un bon petit bras dans le périmètre. Très belle deuxième mi-temps de Ryan Koville. 8 points en deuxième mi-temps, Nicolas. Bozic. Il y a eu Alperin, il y a eu Kleiza, faut que ça s'arrête. Hein. Ils sont sous pression du chrono. Attention Kleiza, Kleiza, le petit mouvement spin. Oh. Tony Parker. Label copyright Tony Parker. 11 points tous dans ce quatrième carton pour Linas Kleiza. Et ça frotte, et ça frotte. Nichols face à Bourouzis. Allez, la bataille au rebond, Papa Lucas, quel dernier mot. Il est partout cet animal. Hein. Attention à Alperin, shoot ouvert. Laurent Ciara, il a quand même pas trébuché sur une pâquerette là. Il y avait peut-être une faute effectivement sur Laurent Ciara. Alperin face à Ciara, Papa Lucas, encore Kleiza dans le coin à 3 points. Oh le bourreau, Linas Kleiza. La crise qu'il est en train de prendre. La crise qu'il est en train de prendre. Toujours plus d'eux pour l'entente orléanaise. Regardez les shoots de Kleiza par carton. 0 point, 0 point, 0 point. C'est de la folie, c'est de la folie. Il est à 14 points. Et l'Olympiakos est revenu à 2 points. C'est le plus petit écart depuis le début, le tout début du match. Et Cédric Banks qui revient aux affaires avec Aldo Curti. Patrick Beverly alors que Panayotis Yanakis. Ah, alors là, Beverly. Alors Beverly, il est là que pour défendre sur Cédric Banks. Qui apparemment a été très très ciblé par le staff de l'Olympiakos. Banks.
Prise à deux sur banque, signe de fond, petit shoot. C'est manqué. C'est pas son soir, bien aussi. Attention, possession pour l'Olympiakos pour égaliser, voire pour passer devant. Pour la première fois depuis le tout début du match. Depuis le 4-0 initial. Bourosis qui ne marque pas, mais il provoque la faute d'Aldo Curti. Et c'est la troisième d'Aldo. Je suis pas sûr, il était peut-être pas bien loin de toucher que le cuir là. De lancer franc pour Bourosis. L'homme de ce quatrième carton, Linas Kleiza. Ah oui, c'est énorme ce qu'il fait. Hein. Quelle série à trois points et toujours dans les angles à zéro là-bas. Un sur deux, Kleiza qui surgit pour la claquette pour mettre le panier à deux points. Et passer devant, c'est maintenant. Il passe devant un peu tôt. On va dire ça comme ça. 16 points sur les 19 pour Kleiza dans ce carton. Et ils sentent l'odeur du sang, l'Olympiakos, Teodosic, Papaloukas, qui ne sont pas sortis de la deuxième mi-temps. Dobins. Dobins pour Ivan Kovil, il est loin du cercle, mais il marque. Il est chaud comme la braise. Il est chaud comme la braise. Ça, c'est plutôt inattendu ce panier de Ivan Kovil. Et maintenant un stop pour vraiment les faire douter. Bonne défense de Dobins. Mais Bourosis qui arrive dans l'intervalle. Et la faute un peu idiote, en tout cas inutile, de Adrien Moerman. La passe d'aise de Papaloukas qui en fait un four. Hein. Il est en train d'établir, à mon avis, le record de la saison d'Euroleague. Il est à 14 passes d'aise. On revoit la faute d'Adrien Moerman. Ouais. Essayer d'attraper le bras de Bourosis qui partait au dunk. Elle n'a rien coûté, la faute d'Adrien. Elle n'a rien coûté. Enfin, une faute. Les deux équipes en ont trois collectives. Et côté temps mort, il en reste un à Philippe Hervé et deux à Panayotis Yanakis. Kovil. Kovil. Banque, c'est dur, ça se shoot. Oui. Teodosic. Papaloukas, Beverly, ligne de fond qui va au cercle. Ballon ressorti sur Kleiza. Oh, oh là 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 là. L'assassin porte le numéro 11. Il est béni, Linas Kleiza. Incroyable numéro du Lituanien dans ce carton. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. 19 points. 19 points dans un carton pour un joueur. Et 65% à 3 points pour l'Olympiakos. Vous rendez compte, 13 sur 20 à 3 points. 5 sur 7 pour Linas Kleiza. 4 sur 6 pour Yotan Alperin. Ils ont détruit le Panathinaikos dans la raquette. Et ils sont en train de survivre et de se sauver à Orléans. Avec un 13 sur 20 à 3 points. Il y en a des cordes à l'arc de Panayotis Yanakis. ...24-12 dans ce carton pour l'Olympiakos. C'est parti pour les dernières minutes, 2 minutes à jouer.
ballon perdu par Ado Curti. Teodosic en contre-attaque qui laisse pour Borosis. Ils sont en train de craquer. Avec le caviar servi par Milos Teodosic. Alors qu'Aldo Curti était resté allongé sur le parquet, blessé au genou droit. Et comme il y a eu un arrêt de jeu, il faut qu'il y ait changement. 6 points de retard pour Orléans. Série terrible en 3 minutes 30 là, hein, Nicolas. Un 15-2 passé par l'Olympiakos. Dobbins, il faut marquer à tout prix maintenant. Pour rester en vie. Banks, faute. Faute de Borosis. C'est la quatrième collective. À partir de maintenant, on tire les lancers. Troisième pour l'intérieur de l'Olympiakos. Dobbins. Banks, défendu par Kleiza. Banks qui est passé, le contre de Borosis, oh, qui sauve le ballon. Borosis et Kleiza qui étaient à la rue avant le quatrième carton, font un quatrième carton de mammouth. Je suis pas loin de penser qu'à eux deux, ils aient mis tous les points de l'Olympiakos. On va vérifier ça. Il y a peut-être Milos Teodosic qu'on a mis un. Mais on va demander, je pense que c'est pas loin d'être le cas. Les Grecs qui seront également dans le bonus lors de la prochaine faute des Orléanais. 1:30 à jouer. Et ils tiennent bien le ballon. Maintenant, ils sont plus dans le rush. Ils vont aller provoquer des fautes. Teodosic. Ballon récupéré par Austin Nichols. Allez, allez, allez. La contre-attaque pour Nichols. Qui and reste one. Sur ses appuis, qui marque. One. Accordé. Avec la troisième faute, je pense, de Yotam Alperia. Il a remonté tout le terrain, Austin Nichols. Il est resté en équilibre. Et lancé important, il le met. Voilà, de nouveau un match à une possession. Et tendance demandé par Panayotis Yanakis, Philippe, qui lui permet d'avoir plus de tendance. Le Zénith debout pour y croire. Ils n'ont pas été franchement gâtés, les supporters orléanais, depuis le début de la saison. C'est le plus beau match EuroLeague d'Orléans, de très loin. Parce qu'ici, Malaga, ça avait été un peu boucherie. Vilnius, ils n'étaient jamais vraiment rentrés dans le match. Vous étiez là, Nicolas. Et dans 15 jours, Orléans recevra le Partizan au Palais des Sports. Et la semaine prochaine, Orléans se déplacera à Vilnius. Et entre-temps, ils vont recevoir Rouen et Strasbourg en championnat. Ils sont à la chasse à la semaine des As. Cette année, pour rentrer aux As, il faudra gagner minimum 8. À 8, peut-être, avec des goals à verrage, ça passe. Vous avez bien noté les prochains rendez-vous. Donc demain, hein, Asvel Kaunas en très léger différé à 21h. Et puis la proie, vendredi, Nancy-Cholet. Et après Asvel Kaunas, il y aura Barcelone-Fenerbahçe aussi. Nancy-Cholet vendredi. Et samedi, Gravelines-Rouen. Deux très très bons matchs vendredi et samedi. Il y en avait beaucoup cette semaine, des bons matchs. Il y avait notamment un Chalon Asvel qui va valoir son pesant de poil à gratter. Kleiza qui perd la balle. Il la récupère. Il prend le tir. À 4 secondes, il ne met pas. Rebond de Laurent Sierra. C'est bien, c'est la balle pour les faire douter complètement dans la dernière minute. Laurent Sierra. Il faut prendre un shoot à 3 points. À l'avance. Justin Dolman contré par Borosis qui récupère le ballon. Que c'est dommage, les supporters de l'Olympiakos maintenant sont tout près de la victoire de leur équipe. Faute de Justin Dolman. Ouais, mais c'est Yotam Alperin qui va sur la ligne. Il est à 4 sur 4 au lancer.
On va bien voir ce que ça donne, mais c'est un fort joueur. C'est un fort shooter. Il n'y a pas de raison. Il y a le Perrin qui met le premier. Et le deuxième également. Plus 5 pour l'Olympiakos. Deux possessions d'écart. Et Cédric Banks qui s'enferme. Un ballon perdu par Orléans. Cédric qui aurait pu être le déclencheur et qui est malheureux dans le final. Que c'est dur pour Orléans. Papaloukas pour Bourouzis qui termine par un dunk. Les dernières secondes. Et vraiment, le score final ne va absolument pas refléter ce match. Coville qui partait au cercle. Vassilopoulos qui était venu pour ça et qui fait sa cinquième faute. Alors que Papaloukas vient de poster sa 15e passe d'aise, Nicolas. L'évaluation de Papaloukas à 25, Nicolas. L'évaluation de l'Olympiakos qui dépasse les 100 alors qu'ils étaient à 45 pendant un long moment, en dessous de 45. L'adresse à 3 points a trahi Orléans dans la deuxième mi-temps. Rendez-vous compte, à la mi-temps, ils étaient à 5-12. Justin Dolman qui marque. C'est bien, finir debout. 4 points de seconde. Et Orléans qui s'incline pour la 6e fois. Mikura vraiment était tout près d'un énorme exploit face à l'Olympiakos. Défaite d'Orléans 88 à 84.